Hey, salut à tous les amis, c'est Kélian, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être le dessin lama. Donc, pour ce lama, on va utiliser le violet, le brun, le bleu clair, vraiment clair, et le bleu foncé. Donc, moi, je vais commencer, voilà. Ne vous posez pas la question pourquoi il y a des traits de côté, parce que j'ai dû recommencer la vidéo, parce que j'ai fait une erreur. C'était une erreur qu'on ne pouvait pas réparer, alors... Voilà, on a déjà fait une partie. Donc là, faut que je fasse déjà le trait. Hop là, comme ça. Voilà. Maintenant, ça va être un petit peu plus dur. Donc là, on va commencer à faire le genre de boîte là. Voilà. Ensuite. Après, on va faire des traits. Voilà. Ensuite, voilà. Maintenant, on va lui faire sa queue.
Maintenant, on va lui faire ses pattes. Voilà. Bon, maintenant, il faut que je fasse un truc parce qu'on aura mal la tête. Voilà. Bon, attendez. Allez, faut que ce soit de côté là. Ah, je savais qu'il y aurait un truc comme ça. Désolé. Voilà, donc on aura juste la tête comme ça. Juste attendez une seconde. Voilà. Voilà, c'est ensuite. Ensuite, ouais, c'est parce que je pensais avoir pas les oreilles. Voilà. Ensuite. Voilà, après elle en fait un rond. Ensuite. Hop, là. Voilà, ensuite on va faire un trait, on va un peu dessiner en noir comme ça à l'intérieur. C'est un peu de côté. Voilà. Maintenant, passons au dessin. Voilà, juste là, il faut que je dessine quelques traits encore. Voilà. Par contre, on a oublié des choses. Voilà, c'est bon. Ensuite, pour le dessin, le brun, on va commencer par le brun. Vu qu'il y a moins à dessiner, on va là.
là, là, voilà. Ensuite, le bleu foncé. Voilà. Enfin, on fait ça. On va prendre le violet. Voilà, on fait un peu des bas comme ça. Ensuite, le bleu foncé. Voilà. Ensuite, le bleu cyan. Voilà. Oh, le bleu cyan, il a pas l'air de marcher. Ah, voilà, j'en ai un deuxième. C'est bien. C'est ici. Je dis bleu cyan, le bleu quoi, bleu vert comme ça. Voilà. Après le violet. Ensuite, le bleu foncé. On aura bientôt fini pour changer les couleurs là. Voilà. Après, le bleu clair. On va l'appeler bleu clair, voilà. Un petit peu plus grand. Par contre, le violet, je sais pas, il marche de moins en moins. Et maintenant, on va dessiner toute la tête en violet. Voilà. Ouais, il marche moins. Moins en moins, c'est pas ce que je disais. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va. Ah non, je veux dire, c'est pas bon, mais je veux dire, maintenant, pour. Là, le trait, il faut le dessiner en brun. Ah, bah, tu vois, le brun, il était là, en fait. Je l'ai pas vu. Voilà, on va prendre un autre brun, c'est mieux. Il est plus foncé, celui-là, il est meilleur. Voilà. Après avoir fait ça, on va dessiner la tête. On va faire comme ça.
Voilà, on me dessine même l'oreille, ensuite le bas. Voilà. Ensuite, là, on va dessiner en brun clair le rond là. Hop là. Ensuite, on va dessiner le genre de petit sac là. On va dessiner en brun clair. Voilà. Après, l'embrun. Ensuite, on dessine en gris, même si il marche plus trop bien. Voilà. Par contre, attendez une seconde. Je viens d'oublier quelque chose. Je viens de remarquer un instant. Vous faites un trait comme ça et vous faites ça. Voilà. Là, le brun clair. Et maintenant, là, vous dessinez. Là, vous faites des petites traces et tout ça. C'est stylé. Ah, c'est stylé. Voilà. Et après, vous dessinez en bleu foncé pour la queue. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Mettez un like si la vidéo vous a plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Voilà. N'oubliez pas la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!